Tam et Cam. Il était une fois un couple de paysans aisés dont les terres fertiles, vastes, produisaient bien plus de riz qu'ils n'en pouvaient consommer. Ils avaient une fille, Tam, ce qui signifie brisure de riz, aussi douce que ravissante. Tous les trois vivaient dans la paix lorsque brusquement la mère mourut d'une maladie inconnue. Songeant qu'il fallait une mère à Tam, une maîtresse de maison à leur foyer et à lui-même une épouse qui lui donnerait un fils, le père finit par se remarier. Dans un premier temps, tout alla pour le mieux. La marâtre se montra fort aimable. Mais la situation changea du tout au tout lorsqu'elle mit au monde une fille. Cam, ce qui signifie « son de riz ». Dès lors, elle ne se préoccupa plus que de son enfant et chargea Tam de toutes les besognes domestiques, le ménage, la cuisine, la lessive. Et bientôt, elle dut s'occuper aussi des champs, car son père, à bout de force, ne tarda pas à rejoindre sa première femme dans la tombe, laissant sa fille à la merci de sa persécutrice. Les années passèrent, et dans cette maison où seule une personne abattait sa part de travail, la table se fit plus chiche, plus pauvre, et la richesse se tarit comme une source épuisée. Alors que la marâtre couvrait Cam de louanges et l'entourait de soins, Tam était traitée en servante plutôt qu'en fille. Pourtant, malgré ses vieux haillons, le manque de nourriture et les mauvais traitements, elle restait la plus belle, les yeux lumineux et la peau veloutée. Tandis que sa demi-sœur en laidissait chaque jour davantage à la grande fureur de la belle-mère. Un beau matin, celle-ci demanda aux jeunes filles d'aller pêcher dans la rivière voisine, que l'inondation saisonnière faisait grouiller de poissons et de crevettes. À celle qui me rapportera les plus belles prises, j'offrirai en récompense un joli corsage rouge, promit-elle. Les demoiselles partirent ensemble, mais une fois arrivées à destination, elles adoptèrent des comportements opposés. Tam s'enfonça dans l'eau jusqu'à mi-cuisse et fouilla la boue de la rivière malgré le soleil et la chaleur étouffante. Cam resta sous l'ombre des grands arbres qui la bordaient, flânant sur la rive, jouant avec les oiseaux et les papillons. Quand la matinée s'acheva, Tam avait rempli sa nasse jusqu'à la faire déborder, tandis que celle de Cam demeurait vide. Mais la paresseuse, non contente d'avoir échappé à plusieurs heures de labeur, n'en convoitait pas moins le corsage. Aussi s'écria-t-elle : Ma sœur, en plongeant les mains dans la vase, tu t'es sali la figure, tu t'es sali le cou. Va te laver, sinon notre mère te punira. Utilise donc l'eau du puits là-bas. Sans méfiance, Tam s'éloigna. À son retour, la nasse était vide. Cam avait transvasé le contenu dans la sienne avant de repartir en hâte vers la maison. Accablée, Tam s'assit sur la rive pour pleurer. C'est alors que le Bouddha lui apparut. « Pourquoi tant de chagrin, mon enfant ? » demanda-t-il avec douceur. Et quand Tam, une fois remise de sa surprise, eut fini de lui raconter ses malheurs, il dit « Sèche tes larmes et regarde s'il ne reste pas quelque chose au fond de ton panier. » La jeune fille découvrit un minuscule poisson caché dans les replis de la paille tressée. « Bien, relâche-le dans le bassin au lotus de la pagode du village et prélève chaque jour quelques grains sur ta portion de riz. Appelle-le en chantant « Gobie d'or, gobie d'argent, monte manger mon riz, refuse le mauvais grain et la soupe froide d'autrui. »
Il viendra te retrouver. Confie-toi à lui. Il te sera d'un grand réconfort. Et puis, ayant donné ses conseils, le Bouddha disparut. Désormais, Tam avait un ami qu'elle nourrissait chaque soir avant de se coucher. Elle lui contait tout ce qui lui arrivait et ça la consolait de la dureté de l'existence. S'étonnant de la bonne humeur de la jeune fille qui la rendait plus resplendissante que jamais, la marâtre ordonna à Cam de guetter ses sorties et de la suivre afin de surprendre son secret. C'est ainsi qu'à la nuit tombée, Cam, cachée derrière un pilier, vit sa demi-sœur appeler le gobi et lui faire le récit de sa journée. Elle s'empressa de rapporter la scène à sa mère. Le lendemain, celle-ci envoya Tam faire une course dans un village éloigné, et puis accompagnée de sa fille, attira le gobi en chantant l'incantation. À peine avait-il fait surface que les deux femmes l'attrapaient avant de le griller et de le manger. Quand Tam, à son retour, se rendit devant le bassin au lotus, ses appels demeurèrent vains. Quelques traces de sang flottaient à la surface de l'eau. Elle comprit et éclata en sanglots. À nouveau, le Bouddha lui apparut. « Cesse de pleurer, mon enfant. Si tu regardes au pied de la palissade en bambou, tu trouveras les restes de ton gobi. Place-les dans un vase de terre que tu enterreras près de la tombe de ta mère et ne te préoccupe plus de rien. » Tam fouilla la poussière, ramassa les arêtes du poisson et suivit les conseils du Bouddha. À quelque temps de là, on célébra la fête du printemps auquel tout le village devait participer. On attendait la visite du roi et d'innombrables spectacles, concerts, jongleurs, théâtres de marionnettes sur l'eau avaient été annoncés pour célébrer l'événement. L'occasion étant exceptionnelle, Tam espérait que sa belle-mère lui permettrait de sortir, elle aussi. Vint le moment de quitter la maison. La marâtre mena alors Tam devant un grand tas de grains. « Je ne vois aucun inconvénient à ce que tu viennes à la fête. Tout ce que je te demande, c'est de séparer le riz du paddy avant de nous rejoindre, » déclara-t-elle avec un sourire ironique. Et laissant la jeune fille à cette tâche impossible, elle emmena Cam, fardée, parfumée et revêtue de ses plus beaux atours, pour assister aux réjouissances. La pauvre Tam laissait couler des larmes de désespoir quand le Bouddha s'avança vers elle. « Cesse de pleurer, mon enfant. Les moineaux vont t'aider. »« Des moineaux ? Mais ils picoreront jusqu'au dernier grain ?» s'inquiéta la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, » la rassura le Bouddha, « et regarde plutôt. » Il n'avait pas achevé cette phrase que l'air bruissait de milliers de battements d'ailes. Des myriades d'oiseaux se jetèrent sur le tas de grains et en quelques minutes, riz et paddy avaient été triés avec soin. La joie de Tam fut de courte durée. Elle se rendit bientôt compte qu'elle ne disposait d'aucune toilette. Ses haillons constituaient sa seule garde-robe. Là encore, le Bouddha balaya ses angoisses. « Va donc déterrer le vase que tu avais enfoui près de la tombe de ta mère. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. » La jeune fille alla donc creuser le sol meuble pour sortir le vase. Et voilà qu'au lieu des arêtes du gobi, elle trouva vêtements, bijoux et parures du plus bel effet. Elle choisit un pantalon de soie, une robe de brocart ainsi qu'une paire de mules brodées de phénix et semées de minuscules saphirs. Et tandis qu'elle se demandait comment se rendre sur les lieux, s'entraîner ses atours magnifiques dans la poussière des chemins, elle aperçut au fond du pot un minuscule cheval qui, une fois posé sur le sol, grandit jusqu'à devenir un superbe étalon au harnais doré. Elle s'installa sur la selle et l'animal l'amena voir l'arrivée du cortège royal. Dès qu'elle apparut, les villageois s'écartèrent avec admiration,
croyant avoir affaire à une jeune femme de haute lignée. Cam, en l'apercevant, fronça les sourcils et tira la manche de sa mère. « Mère, mère, on dirait Tam, ne trouves-tu pas ?»« Que dis-tu là, ma fille ?» répliqua la marâtre. « C'est impossible. Voyons, comment cette petite souillon aurait-elle trouvé à se vêtir ainsi ?» Tam les entendit, s'affola et se recula si précipitamment qu'elle perdit l'une de ses pantoufles dans la rivière. L'éléphant du cortège qui s'apprêtait à traverser s'arrêta aussitôt pour barrir avec force et refusa obstinément de faire un pas de plus. Quelque chose empêche l'éléphant d'avancer. Garde, fouillez le lit de la rivière, ordonna le roi. Après quelques minutes de recherche, on lui apporta une ravissante pantoufle brodée, ornée d'éclats de pierres précieuses. Le souverain la tourna et la retourna en tous sens, admiratif, et fit alors annoncer par ses héros qu'il épouserait la jeune femme à qui elle appartenait. Des centaines de candidates se présentèrent, mais aucune ne réussit à l'enfiler. L'œil perçant de l'eunuque royal aperçut alors Tam, qui, appuyé avec grâce contre un arbre, s'efforça de dissimuler son pied nu sous sa robe, fendant la foule. Il lui demanda d'essayer la pantoufle, ce qu'elle fit avec succès. Ravi de sa beauté, le roi tint sa promesse avec joie. La douceur et la sagesse de son épouse achevèrent bientôt de le conquérir. La rage au cœur, Cam et sa mère en furent réduites à dissimuler leur jalousie sous des discours mielleux qui trompèrent sans peine la jeune femme. Les noces furent célébrées avec faste et Tam s'installa au palais pour goûter au bonheur paisible auprès du roi. Quelque temps après, cependant, elle demanda à revenir dans son village afin de célébrer des rites traditionnels à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père. Elle apportait nombre de présents magnifiques, mais la rusée belle-mère lui suggéra « Ma chère fille, je te remercie pour ta générosité, mais ne crois-tu pas que le Bouddha serait plus sensible à une offrande moins somptueuse ? Peut-être, mais dans laquelle tu aurais mis vraiment tout ton cœur ? Essaye, monte donc sur la réquille comme autrefois, afin d'y cueillir des noix. » Tam s'exécuta volontiers. Cam et la belle-mère attendirent qu'elle eût atteint le faîte de l'arbre, le sommet, puis commencèrent à attaquer la base du tronc à la hache. « Que faites-vous donc ? » s'inquiéta Tam. « Ce n'est rien, repartit la marâtre. Des fourmis rouges grimpent sur l'araignée et nous frappons pour éviter qu'elles ne te piquent. » Et elles continuèrent de plus belle. Le tronc, profondément entaillé, finit par se briser et dans un terrible craquement, l'arbre s'abattit sur les eaux profondes d'une mare voisine où la pauvre Tam se noya. La belle-mère revêtit aussitôt sa fille des habits de la défunte et l'envoya à la cour porter le message selon lequel la reine avait péri lors d'un malheureux accident. Sa sœur venait prendre sa place comme c'était la coutume, espérant par là diminuer le chagrin du roi. Accablé, le souverain lui permit néanmoins de rester. Un jour qu'il errait dans son jardin, un loriot aux plumes dorées surgit de nulle part pour se percher sur la branche d'un pommier. Il se mit à chanter. Le roi reconnut un air qu'affectionnait sa femme disparue et s'écria « Loriot, gentil loriot, si tu es l'âme réincarnée de mon épouse, viens te réfugier dans la manche de ma tunique. » L'oiseau s'y précipita et le souverain ne se tint plus de joie. Il convoqua un artisan pour construire une vaste cage d'or pur et veilla lui-même à nourrir son nouveau favori de grains mûrs et d'eau claire. Il passait auprès de lui tous ses instants de loisir
du coup enchanté durant de longues heures. Cette amitié contraria vivement la jalouse Cam, qui en fit part à sa mère et reçut des conseils qu'elle appliqua à la lettre. En l'absence du roi parti visiter une province, elle s'empara du loriot et le serra dans ses mains jusqu'à l'étouffer. Puis, elle enterra ses restes dans un coin du jardin et fit ensuite croire au souverain qu'un chat s'était jeté sur l'oiseau et l'avait emporté avec lui sans que personne ne puisse intervenir. Le cœur lourd, il ne put que se résigner à ses explications. Or, à l'endroit où avait été enfoui le loriot, poussa bientôt un magnifique flamboyant. Le roi, séduit, prit l'habitude de se reposer sous son ombre, car près de lui, il lui suffisait de fermer les yeux pour voir apparaître l'image souriante de sa bien-aimée. Là encore, la jalousie de Cam s'enflamma. Après lui avoir préféré un oiseau, voilà que le roi s'intéressait davantage à un arbre qu'à elle. La mère, consultée, lui dit « Fais abattre ce flamboyant sous le prétexte d'y tailler un métier à tisser. » Cam obéit, mais dès qu'elle voulut se servir du métier fraîchement fabriqué, elle entendit la navette murmurer « Tu prends le mari de ta sœur t'arrachera les yeux. » Terrifiée, elle brûla l'outil et jeta ensuite les cendres loin du palais. À l'endroit où les cendres avaient été jetées, naquit bientôt un imposant plaqueminier qui poussa jusqu'à surplomber tous les arbres environnants. Les passants l'admiraient et une vieille dame qui vendait des gâteaux de riz et du thé eut l'idée d'installer son étal de bambou juste en dessous. Elle était bonne, honnête, avait toujours le sourire aux lèvres. Les gens prirent rapidement l'habitude de causer quelques instants avec elle, tout en buvant du thé et en grignotant des pâtisseries, protégées du soleil par le feuillage du plaqueminier. Un soir qu'elle rangeait ses affaires et s'apprêtait à replier son étal, une odeur délicieuse vint lui chatouiller le nez. Elle leva les yeux et aperçut un fruit énorme, d'un jaune appétissant, qui trônait seul au sommet de l'arbre. Son parfum était stupéfiant, mais elle était trop vieille pour grimper aussi haut et le cueillir. Aussi fit-elle ce vœu. « Oh, kaki, beau kaki, laisse-toi choir dans mon sac. Je ne te mangerai pas, je le jure, je te sentirai seulement. » Il tomba aussitôt dans sa corbeille et la dame s'en fut. Une fois chez elle, elle déposa son petit trésor sur un meuble près de sa couche. Bientôt, d'étranges événements se produisirent. À chaque retour du travail, la vieille dame trouvait la maison en ordre, le ménage fait et un repas chaud l'attendant sur sa table. Désireuse de percer ce mystère, elle fit mine un matin de partir, son étal sous le bras, mais revint discrètement sur ses pas. Elle aperçut alors une ravissante jeune femme qui sortait du fruit pour balayer l'humble logis. Saisie de stupeur, elle ouvrit la porte et prit la demoiselle dans ses bras. Émue, elle la remercia avec chaleur en lui demandant qui elle était. Dame, car c'était bien elle, lui conta son histoire et ses réincarnations successives, expliquant qu'elle avait finalement été métamorphosée en fée et renvoyée sur terre afin d'aider la vieille dame dont les vertus avaient touché le ciel. Celle-ci la supplia de garder sa forme actuelle. « Reste avec moi, telle que tu es à présent. Ainsi aurai-je une fille adoptive. » Dame y consentit. On déchira l'écorce du fruit et les deux femmes ouvrirent ensemble une petite auberge à l'orée du village. L'établissement devint vite renommé, les voyageurs vantant le bon accueil, la cuisine et surtout
la grâce de Tam. Il advint qu'un soir, le roi, voyageant incognito, décida de faire étape là. La vieille dame lui apporta sur un plateau du thé, des noix d'arec et des chiques de bétel. À cette vue, le souverain sursauta, troublé. Ma défunte épouse avait-elle aussi l'habitude de rouler les feuilles de bétel en forme d'aile de phénix, grand-mère? D'où vous vient ce don? Oh, avez-vous observé mes pauvres mains, Seigneur? Je serais bien incapable aujourd'hui d'accueillir une tâche si délicate. C'est ma fille qui s'en est chargée. Elle appela alors Tam, qui écarta le rideau séparant la cuisine de la salle et s'avança. La surprise du roi fut égale à son bonheur, immense. La jeune femme lui conta les tourments qu'elle avait subis et il la ramena au palais avant de convoquer Cam. Celle-ci blêmit en voyant le couple réuni, mais tâcha de montrer de la joie devant ce retour inattendu, dissimulant tant bien que mal son aigreur. « Quel bonheur que de te revoir, ma sœur, et plus belle que jamais, mais comment donc fais-tu pour conserver un teint si pur ?» D'un ton paisible, Tam répondit « Rien de plus simple. Au moment du bain, prépare-toi une jarre d'eau bouillante. Il suffit de la verser sur toi et tu seras plus blanche que le lait. » Cam, impatiente, appliqua aussitôt la recette et mourut dans d'atroces souffrances. Tam ordonna alors que le corps fût découpé et que les morceaux soient assaisonnés et jetés dans un peu de saumure avant d'être déposé dans une hotte qu'elle fit porter en présent à la marâtre. Celle-ci fut ravie. Dire que ma propre fille n'a pas eu une pareille attention. Et de goûter la viande qu'elle trouva délicieuse. Gourmande, elle prit l'habitude d'en grignoter un peu chaque jour. Elle arrivait au bout de sa provision lorsque son regard s'arrêta sur une masse sombre qui gisait au fond de la caisse. Qu'est-ce donc? On dirait la fourrure de la bête, pensa-t-elle, avec dégoût. Plongeant le bras, elle ramena au jour la tête de Cam et, hurlant d'horreur, se jeta dans le fleuve qui coulait plus bas.